excuse-moi, t'as tagoré. Chère Françoise, vous m'avez élu au chauffage universel. Je tiens à vous dire merci. Merci. D'autant plus que je ne penserais pas que c'était vous qui m'avez choisi, vous. Votre choix me va droit au cœur. Et sachez que je serai le président de toutes les Françoises et de toutes les Françoises. En voyant actuellement tout ce cataclysme, cette charaphonie. Charaphonie, non. Pas charaphonie, non. Cette cacophonie. Je me suis dit, j'y suis, j'y reste. Si j'y suis Lulu, eh bien j'y resterai là. Vous m'avez sollicité à la tête de notre pays, alors je vous garantirai donc le bon fonctionnement de nos institutions et je serai le gardien de vos libertés. Et si ça ne suffit pas, je vous laisserai les doubles des clés. Quelques-uns parmi vous ont voulu m'exclure de la vie politique. Je resterai contre Jean-Marie. Non, contre Vince et Marie. Non. Merde, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi. Mais c'est rien, c'est rien. C'est une petite polémique que je laisse à mes détracteurs et autres véhicules utilitaires. Certes, en somme, j'en conviens, nous traversons actuellement des moments difficiles, mais soyons au-dessus de tout cela et balayons nos corps à l'intestin comme nous avons balayé. Je ne suis ni de droite, je ne suis ni de gauche, moi j'y suis les verts au fond des cafés. Chers mitoyens, chères mitoyennes, brisons le mur de nos inégalités. Avançons d'un même pas, le regard face à l'horizon, la main dans la main. Chers Français, chères Françoises, pour l'immigration, par exemple, l'immigration. Je suis pour la libre circulation sur tout le territoire de tous les petits oiseaux. Oui, les cigognes, les hirondelles et tous les sans-pioupiou. Non, les sans-papiers, excusez-moi. Excusez-moi, c'est le texte de Paul. Aussitôt investi de mes fonctions, je prendrai les mesures que je vous ai promises sur le geste enlevé de ma mère. Il faut revenir, allons, revenons aux valeurs essentielles de la République. Le respect de tous, le respect d'autrui. Un, deux, trois. Revenons au fondement même du civisme, aux règles du respect, à l'essence même de la politesse. Pourquoi? Parce que... Oh, fils de pute, là, oh. Oh, fils de bâtard, là, qu'est-ce que tu me fais, là? Tu vois pas qu'ils m'entendent pas, là? Tu peux pas allumer, là? Je vais te bouffer ta mère, toi, qu'est-ce que tu me fais, là? Connard, ouais. Excusez-moi. Car la politesse est la première des vertus. Poil dans ton cul. Liberté, égalité, va te faire niquer, ouais. Nous prendrons aussi des mesures pour une meilleure politique agricole. Pour que nous puissions tous profiter de nos denrées alimentaires. Tous moutons, tous poulets, tous brochettes. Ceci d'Ibrahim. Non, pas ceci. Je conduirai les affaires des pays tel un automobiliste sur l'autoroute du succès. Mais, chers Français, chères Françoises, revenons même à la quintessence de notre propos. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion, parmi vous, s'il y a des questions d'avenir dans cette assemblée participative, je vous suis tout oui. Et quand je dis oui, c'est pas non, je vous suis tout oui. Alors, je vous écoute. Y a-t-il des questions? Je suis à votre disposition.
Bonsoir, monsieur le président. Ah oui, c'est monsieur PPDA. Ah, j'aime beaucoup monsieur PPDA. C'est le présentateur préféré des Arabes, hein. Monsieur le président, la défense de la langue française est-elle l'une de vos priorités? J'ai pas bien compris ce que vous me diriez. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, monsieur le président. Je disais donc, la défense de la langue française est-elle l'une de vos priorités? Oui, il faut donner à notre pays le rayonnement culturel qu'il se doit en saluant tous ces artistes bien de chez nous. Cheb Khaled, Cheb Aznavour, Cheb Alédé, ou la Cheb de Monsieur Seguin, je sais pas, Tagada de Swan Swan, hein, c'est... Au niveau de votre programme, Monsieur le Président, vous êtes tout de même très évasif. Hein? Ah, okay, vas-y toi-même. Mon programme est à votre disposition dans TéléZ. À 20h30 la météo, à 22h le loto, à 23h le gros dodo. Sauf le samedi, en général, vers minuit, c'est le film de Boulle. J'adore. Ah ouais. En général, de Boulle, général de Boulle. Ah, je vous ai compris, je vous ai compris. Monsieur le Président, combien de sous-marins nucléaires d'attaque avons-nous? Eh bien écoutez, c'est une bonne question et je suis très heureux que vous me l'ayez posée. Ouais. Et une autre question? Non, monsieur le président. Ah, très bien. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre? Eh bien écoutez, je vais prendre les mesures urgentes qui s'imposent. Interdiction sur tout le territoire français, dans le territoire français je précise, donc t'as compris. Interdiction de vendre brocoli de chou-fleur et autres cassoulets qui provoquent indubitablement le réchauffement climatique de notre planète. Et merci. Pour cela, nous allons augmenter les effectifs des gardiens de la paix. Voilà. Chers Français, chers Françoises, avant de vous quitter pour aller à ma lourde tâche que vous m'avez confiée, sachez que désormais, comme dorénavant, nous ferons comme d'habitude. Vive le changement !